السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونتمنى تكونوا كتستافدوا من الفيديو اللي ديجا عملنا اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو سانتيز دو انك اي هو ميم رياكسيون دو غابرييل ولكن في لي دوزيام ايتاب لو ايتاب او ليو دو تيليزي لا باز او اش موان اون فا ايتيليزي ان كومبوزي سابيل لي Donc, synthèse de Hank et Masque, même réaction de Gabriel, mais on utilise un composé s'appelle l'hydrazine. C'est un niclophile pour ces deux sites nucleophiles. Donc, joue le rôle d'un niclophile. Alors, donc euh, Gabriel, il réagit le phtalimide au milieu basique en présence d'analogénieur d'alkyl. Il va donner, en finale, un amine primaire plus ayant énolate. Donc de la même façon, à partir de Hank et Minsk, on va trouver un mi-primaire, mais plus un autre produit. Donc, le phtalimide au milieu basique, donc on a déjà dit que cet hydrogène possède un caractère acide, puisqu'il est voisin de deux groupements attracteurs, en alpha de deux groupements attracteurs, donc caractère très acide de cet hydrogène. En présence de la base, va arracher le proton et formation de l'azote chargé négatif donc c'est un nucléophile, va jouer le rôle d'un nucléophile, va attaquer le site électrophile du groupe MoR R et départ de X, comme une substitution, selon une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, de on va trouver le N-alkyl Donc, au lieu d'utiliser deux équivalents de la base, INC et Minsk utilisent un composé qui s'appelle l'hydrazine, donc joue le rôle d'un nucléophile. Donc l'azote possède un non liant va attaquer le centre électrophile du carbone, et le carbone devient par cinq liaisons, donc, la liaison déjà se forme de au moins, c'est-à-dire l'oxygène se se forme de il au moins. Il va former la liaison carbone-azote. Donc, puisque l'azote est attaquable ou doublé, il chargé positif donc l'oxygène est instable sous forme de O moins il est instable donc la stabilité est doublement lié à l'atome de carbone donc le carbone est ce de liaison la liaison liaison les deux électrons être reliés par l'atome de azote, et l'azote il devient chargé négatif donc va donner donc O moins devient doublement lié à l'atome de carbone et les deux électrons être reliés par l'atome il devient chargé négatif puisque l'azote c'est un élément électron négatif capable de de, et se forme dions chargés négatifs. Donc, donc, naturellement, la réaction acido-basique, puisque l'azote chargé négatif et l'azote naia il équilibre. Alkyl, donc, l'un de possibilité possibilité est stable, il va le proton H ⁇ Il dit que H ⁇ va capter le N-, puisque N- a un caractère basique. Donc, si la réaction acide-basique va donner NH, NH2, et l'hydrogène qui a la l'azote va l'azote, puisque l'azote a un caractère basique, ou l'azote nef a un caractère acide. Donc, puis, on va voir la réaction de cyclisation. Donc, au lieu d'utiliser la base deux fois, c'est-à-dire attaquer, attaquer les maralouliens de la position et deuxième faire de la position, l'hydrasé fait deux sites nucléophiles. maralouliers attaque à la position et le deuxième équivalent de, de l'azote, il va attaquer le centre électrophile et formation de la liaison azote-carbon et formation d'un cycle A6. Donc, attaque de l'atome de l'azote, formation de la liaison azote-carbon, l'oxygène ou bien le carbone devient lié par cinq liaisons et liaison de l'oxygène de devient o moins c'est la réaction de cyclisation donc puisque l'azote attaque le doublé, il va se charger positif فقد ديك لو l'oxygène sous forme de o moins est instable va y réfléchir sur la stabilité va yرجع double molia à l'atome de carbone et ce carbone va t'خلص liaison puisque il va devenir 5 5 liaisons et liaison il est devenu n moins et n moins avec h va former un amine n r NH2, c'est un ami primaire plus un autre produit au, au lieu de trouver ion phtalate. Donc, euh, le rôle de la réaction de Hank et Minsk pour éviter l'hydrolyse à chaud. C'est-à-dire, parce qu'on fait de l'hydrolyse à chaud, on utilise l'hydrazine. D'autres réactions, c'est la dégradation d'Offman, ou bien réaction d'Offman, ou bien transposition d'Offman. Donc, ça s'appelle dégradation parce que on passe de N atomes de carbone à N-1. Euh, donc, euh, dans cette réaction, on transforme un amide vers un amine primaire. Donc, le produit intermédiaire, c'est isocyanate d'alkyle Et la réaction finale, on élimine le, le dioxyde de carbone et formation d'un amine primaire. Donc, on va transformer un amide primaire vers un amine primaire. Passage par un composé qui s'appelle ésocyanate d'alkyle. Donc, les réactifs d'Hoffmann sont un amide en milieu basique en présence de X2. Dans le cas de Gabriel, on utilise un composé qui s'appelle phthalimide. C'est un amide cyclique en présence d'une base, mais on réagit avec un halogénure d'alkyle Rx. Donc, dans le cas d'Hoffmann, on utilise X2. Donc, passage par isocéanate d'alkyle. Isocéanate d'alkyle dans l'eau avec le chauffage va donner un amide primaire plus dégagement de CO2. Le mécanisme, donc, euh, soit l'amide, donc il est caractérisé par un groupement carbonyl. Donc en position alpha, on a des hydrogènes, caractère acide, puisque le carbone est un groupement attracteur par effet isomère lié par. Double liaison. En présence de la base, va arracher le proton formation de N-. N- est stable par la conjugaison. N sigma pi va donner un autre composé plus un H2O. H2O ou H- plus h 2 o Donc, N- possède un caractère nucléophile. Donc, sous forme de N- est stable, mais se forme de O- est instable. Donc, l'oxygène va chercher la stabilité. Il devient lié doublement à l'atome de carbone et le doublé ou bien l'atome d'azote, à travers les charges négatives, va attaquer un, autre, un équivalent de X2 et départ dans notre X et formation de la liaison azote X. De la même façon, puisqu'on travaille dans un milieu basique, la base va arracher le deuxième proton en position alpha de groupement carbonyl et formation de N-. Donc N- est stable par conjugaison, et N sigma P va donner sous forme de N- donc nous avons une transposition doffman la deuxième qui est une transposition ou une dégradation dégradation c'est à dire qu'on va passer de n atomes de carbone à n moins un yannick à un atome de carbone et la transposition yannick on peut transmettre la transposition lâche puisque on a la réaction intramoléculaire dans la même molécule qui est quali donc naya l'oxygène en général nous on a fait l'application en général yannick à ce qu'on a la forme Carbone, le doublement à l'atome d'azote, il possède un groupement euh, partant X au moins. Donc au moins il est instable. Il double doublement lié à l'atome. De carbone. Donc, ma vais faire un système conjugué de l'axe. Donc, je vais mettre un sigma P, un sigma P. Donc, puisque l'oxygène reste euh, double mollié à l'atome de do carbone, donc le carbone a un peu de Et faire de liaison. La liaison est un peu de Il y a les deux électrons qui vont transposer vers l'atome d'azote. Formation de la liaison azote-R et départ de X. Avec X, c'est un bon groupement partant. Soit H2O, soit un groupement euh, acide ou bien analogène. Donc, ça s'appelle. C'est une transposition vers un azote déficient en électrons. puisque l'azote est déficient en électrons. Il va donner un composé, qui s'appelle isocyanate d'alkyle Donc, d'abord, nous avons l'application de là la pour le composé. Donc, on dit R, c'est au moins double liaison N, simple liaison X. Donc, même la forme c'est-à-dire même la forme d'une transposition vers un azote déficient en électrons. Donc, l'oxygène devient double lié à l'atome de carbone. Le carbone aicon lié par cinq liaison et de liaison la liaison il les deux électrons vers l'azote et départ de x avec formation de la liaison NR c'est-à-dire R c'est un groupement alkyle ou bien c'est un groupement aryl. et départ de x x c'est un bon groupement partant il va donner isocyanate d'alkyle donc isocyanate d'alkyle c'est un bon groupement isocyanate c'est le de la réaction donc toujours en milieu basique donc le carbone il est doublement lié à l'atome d'oxygène, c'est-à-dire que c'est un site électrophile en présence d'une base. Donc la base, la base va jouer le rôle d'un nucléophile dans ce cas. Donc OH- va attaquer le site électrophile. le La formation de la liaison carbone OH ou la double liaison, c'est l'oxygène pour éviter a dit le carbone et la liaison. Parce la double liaison, il faut que l'oxygène devienne ce forme de O-. Et ce composé s'appelle Enol, puisque Enol, elle a une double liaison, ol c'est-à-dire N pour la double liaison et ol » pour l'alcool. Donc, il un équilibre caractérisé les Enols. Donc, il qu'on a la forme Enol, donc il y a la forme Enol, N. All. Donc, l'équilibre toujours va déplacer vers les cétones et l'équilibre s'appelle cétone inolique. Donc, NH, donc l'hydrogène de, 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 de OH, il est mobile. Donc, il reste double mollier à l'atome ou bien il la position alpha et double rattlé. Donc, l'équilibre, on va faire le mécanisme. Donc, va. Donc la cet il est équilibré avec la forme inol donc nous allons avoir la forme inol donc on dit que c'est bien l'inol puisqu'on a des canya lasot donc pareil, nous allons revenir sur la forme par l'équilibre cet ion il va donner dans ce cas donc on a des la forme comme inol et l'équilibre va se déplacer vers les états de formation de ces deux O et à cette H à sacrifier lasot donc on ajoute une goutte d'H+, avec le chauffage on va aller dans ce cas, formation de l'amine primaire plus dégagement de CO2. Donc, un zide, une goutte de H, avec le chauffage. N, respecte le à l'atome de carbone, puisque ce, ce forme de au moins il est instable. Mais on va de la liaison. La formation de I-I- avec H, formation de l'amine RNH2, plus dégagement de, de CO2. Donc, la réaction H, avec le chauffage, il va donner un amine primaire plus euh, dégagement de CO2. C'est-à-dire, à partir de la réaction d'Offman, ou bien dégradation d'Offman, ou euh, transposition d'Offman, on trouve un amine primaire. Mais la méthode de Gabriel, c'est une bonne méthode de préparation d'yalisamine primaire. Bien, donc Dans ce cas, on a passé de N atomes de carbone à N-1, puisque le produit de départ, c'est un amide. Donc, j'ai le nombre de carbone. Donc, c'est R. R, c'est un groupement alkyl. Donc, on a deux atomes de carbone. Maintenant, on a un R qui CH3. Et dans ce cas, on a des deux atomes de carbone. Et le produit final, c'est double en ch3 R, ou R. C'est un CH3. C'est-à-dire, on a passé de N atomes de carbone à N-1. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه